Bonjour à tous, oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente sa troisième vidéo des derniers achats, donc du premier trimestre 2017. On a un jeu PS4, un jeu Xbox One et un jeu PC. Alors, on va d'abord commencer. D'abord, on va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par Die Hard, Piège de Cristal, un FPS donc par Syrah qui est bien connu, au niveau FPS hein, justement. Alors bien sûr, Piège de Cristal, il retrace fidèlement le film. On a les doublages français de John McClane. Donc la voix française de Bruce Willis, donc ça c'est plutôt cool. C'est un FPS à la fois, c'est un FPS plutôt classique, mais avec l'ambiance du film. Donc voilà, le jeu est sorti en 2002, je crois, à la même époque où 2002, ouais c'est ça. Je me souviens que ce jeu que ce jeu-là est sorti la même année que Hitman 2 Silent Assassin. Je crois que c'était 2002 aussi, Silent Assassin. Enfin bref, voilà. Donc un FPS retraçant le film, donc Piège de Cristal, avec Bruce Willis. Bon, bien sûr, on peut le voir que niveau droit, ils n'ont pas repris la tête de Bruce Willis. Et de toute façon, même dans le jeu, on ne le verra pas. Voilà, donc j'ai vu quelques vidéos, c'est plutôt marrant à jouer, c'est après voilà, faut se mettre en tête que c'est quand même un vieux FPS. Donc du coup, faut se remettre un petit peu dans le bain. Et c'est sûr que graphiquement, pour l'époque, je pense que c'était pas mal sans plus. Bon, apparemment niveau jouabilité, c'est plutôt cool, avec une bonne ambiance, même si ça reste en tout cas très classique. En tout cas, je voulais me le faire. Je voulais me le faire. Parce que jusqu'ici, je ne connaissais que les jeux sortis sur Saturn et PlayStation. Sans oublier aussi le FPS qui était sorti sur GameCube. PS2, je crois. Xbox. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vendetta, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Donc, du coup. Voilà, n'hésitez pas justement, je sais plus comment il s'appelle, Die Hard de. Je sais plus si c'est Die Hard Vendetta, je suis plus sûr. Avec une pochette rouge. Voilà, qui était pas mal, mais. Voilà, ça pour moi c'était pas vraiment fidèle. C'était pas vraiment fidèle. Je veux dire au film, quoi. C'était bon, c'était rigolo à jouer, mais voilà, je m'en suis pas mal lassé. Je le mettrais plutôt dans la moyenne. Avec celui-là, je sais pas, je vais voir ce qu'il donne. Il est sorti, je crois, uniquement sur PC. Je l'ai pas du tout vu sur les plateformes, de démat comme Steam. Je l'ai pas vu. Bon, après, j'ai peut-être. J'ai pourtant même regardé le nom en anglais, mais non, je sais pas, j'ai pas vu. Donc j'ai bien pris cette version en français pour avoir le doublage. On verra après ce que ça donne. En tout cas, je suis content de l'avoir. Donc du coup, dans les achats, c'est quand même considéré un petit peu comme du rétro. Donc voilà. Un jeu qui aujourd'hui n'est pas trop courant. Ensuite, on continue avec For Honor sur Xbox One. Donc j'avais pris pour jouer avec des potes sur Xbox One. Donc voilà. Donc du coup. Du coup, bon, c'est un très bon jeu qui se joue quand même. Il y a un solo, mais c'est un jeu qui a été fait pour le multi à la base. Donc voilà, un beat'em up avec donc plusieurs factions. On a les chevaliers, les vikings et les samouraïs. Toutes les factions sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Après, tout dépend de notre approche, de notre façon de jouer. Tout dépend de ce qu'on préfère. Après. Moi, je sais que principalement, je monte en level les Vikings. Voilà, mais après, je les aime tous. Mais je préfère quand même les Vikings.
Quoi qu'il en soit, c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu avec justement un mode histoire, donc une campagne solo, qu'ils ont rajouté plus ou moins à la dernière minute, vu qu'ils ont eu que quelques mois pour l'intégrer dans le jeu, vu qu'à la base ça devait être uniquement un jeu jouable en ligne, uniquement. Voilà. D'ailleurs, petit reproche à lui faire, quand il y a un problème de connexion, on peut même pas accéder au solo. Ce que je trouve quand même un petit peu inadmissible. J'ai dit à Ubisoft, mais bon, en vain. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un patch quand même pour pouvoir jouer au solo hors connexion, ce qui me semblerait plutôt normal. Mais bon, c'est pas le seul jeu à faire ça. Sachez justement que dans ma vidéo précédente des derniers achats, le Hitman, le dernier Hitman, justement, ils ont patché le jeu pour pouvoir jouer hors connexion. Voilà, ce qui me semble quand même normal. Ça devrait être intégré dès le départ, hein. Moi, pour moi, la connerie, c'est le. Dès qu'on arrive à l'écran titre, quand on veut rentrer dans le menu principal, c'est à ce moment-là qu'il y a une connexion au serveur du jeu. Et ça, je trouve que c'est pas normal. On doit pas l'intégrer dès le départ dans le menu principal. Enfin, on peut même pas accéder au menu principal en fait. Si t'as pas la connexion. On devrait pas l'intégrer comme ça, la connexion Internet. On devrait plutôt l'intégrer quand on clique sur le mode multijoueur. Ça me semble évident. Ils faisaient ça avant, maintenant ils le font plus. Enfin bon. Ils font ça sur tous les jeux, hein. Il n'y a pas que Fort en or, hein. Enfin, tous les jeux. Beaucoup, en tout cas. Beaucoup. Et pour finir, alors je disais le meilleur pour la fin. Parce que bon, Fort en or, il est excellent, hein, il n'y a pas de souci. Hein, mais je ne joue pas qu'à ce genre de jeu. J'adore aussi les jeux de tir, les jeux de snipe. Et donc, Sniper Elite 4, voilà, je l'attendais de pied ferme celui-là. Donc, en précommandant le jeu et avec la limitée d'édition, mais je crois que même la version normale, ça doit être aussi, je pense, on a un code de téléchargement pour accéder à une mission en DLC. Donc, pour bien sûr tuer le Führer, Hitler. Donc voilà, Sniper Elite 4, c'est un très bon jeu. Un très très bon jeu. Il est joli. Il est assez joli. Même si, franchement, ben, même s'il y a quand même pas mal de choses qu'ils auraient pu. Si vous voulez, c'est un peu le moteur du 3, en fait. C'est le moteur du 3, mais et puis là, il a pas été amélioré, quoi. Pratiquement pas. Pratiquement pas, selon moi. Hein. Voilà, le 3 était sorti aussi sur Xbox One et sur PS4. Et il y a eu aussi des versions PS3 et 3.6. Donc voilà, il y a des jolis effets de lumière par moment. Il y a des niveaux qui sont beaucoup plus beaux que d'autres. Moi, je sais que tous les niveaux en Italie sont assez jolis quand même. Je sais qu'il y a une mission qui se passe dans une base militaire, dans un port, le port Lorino, en l'occurrence. C'est pas spécialement très beau, quoi. Je veux dire, artistiquement, je veux dire, des bâtiments, des machins, du goudron, enfin, on se comprend, quoi. C'est pas, voilà. Puis en plus, c'est assez classique dans un Sniper Elite, quoi. Ce genre de truc. Ouais, c'est une très bonne mission, en passant. Une très bonne mission. On s'y amuse énormément. Moi, j'ai passé la première fois que j'y ai joué, le port Lorino, j'ai passé 3 heures dessus. Hein. Donc, on a plusieurs missions. Donc, imaginez la durée de vie, quand même. Imaginez un peu. Moi, je sais que bon, ben, pour des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi, sans doute, ils vont mettre peut-être. Peut-être, je sais pas, une à 2 heures, peut-être 1 heure et demie par mission, mais bon, rien que déjà ça lui donne comme une bonne durée de vie. Moi, pour moi, un jeu comme ça, la première fois, tu mets 15 heures, voire 20 heures. Mais après, voilà, on n'est pas, comme je le dis, hein, on n'est pas tous, on n'est pas tous pareils, quoi. Donc voilà, ça dépend des joueurs. Moi, je sais que j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien bourriner, j'aime bien aussi tuer mes adversaires furtivement. Je peux très bien utiliser le snipe souvent, ou m'approcher des gardes et puis
les tuer en combat rapproché. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend de son approche, ça dépend si on court beaucoup dans le niveau, ça dépend si on marche beaucoup accroupi, ça dépend si on fait de la collecte d'éléments cachés, des documents à récupérer, des choses comme ça. Bref, de toute façon, dans tous les cas, on monte son XP, que ce soit en tireur d'élite ou en combat rapproché, etc. De toute façon, on monte son XP, on monte en grade. Voilà, donc ça peut être intéressant pour des petites choses. Enfin, moi, j'y vois pas non plus une importance capitale, mais bon, c'est quand même assez cool. Pour ce qui est du jeu, bah voilà, niveau gameplay, il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, ça reste comme le Sniper Elite 3. Au niveau jouabilité, on n'est pas dépaysé. Voilà, avec des petits ajouts par-ci et là. Voilà. En tout cas, c'est un très très bon jeu, une très bonne pioche, que je conseille franchement à tout amateur de jeux de tir à la troisième personne et surtout de sniper. Voilà. Je reviens sur For Honor rapidement pour dire que je le conseille aussi. C'est un jeu qui est très bon. Et mon petit Die Hard. Piège de cristal, FPS sur PC. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, vous tapez soit le nom du site ou vous tapez Immortal71 Camille. Mon pseudo gamertag de Xbox et de PlayStation, c'est CamiD88. Voilà, CamiD88. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'ajouter, à me parler. Et puis, ben, je sais pas, qu'on parie les jeux qu'on a ensemble, et puis on pourra faire des parties en multi, pourquoi pas? Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, For Honor, je l'ai uniquement sur Xbox One. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Je n'allais pas l'acheter en double. Hein. Donc voilà, si vous devez m'ajouter pour For Honor, faites-le sur Xbox One par contre. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao.